avec lequel j'avais des liens plus que des liens amicaux. Mon épouse était donc dans la famille, on s'est occupé des convives, des invités dans la journée. Je contribuais un petit peu dans la famille au mariage. Et le soir, les invités partaient. C'était le dîner de la famille du marié, de nous tous et tout. Et là, j'avais la gorge, j'étais grippé ou j'avais une pharyngite. Avec quand vous fumez, vous avez rien. C'est vraiment une brûlure que vous ressentez dans la gorge. Il y avait un dîner de mariage, un dîner amélioré, un dîner en compagnie et tout. J'ai dit non, je n'ai pas envie de manger, alors que je n'avais pas mangé toute la journée, puis j'avais la cigarette. À cet instant, je me suis posé la question, ce n'est pas normal que je sois possédé par cette cigarette qui me fait mal. Et puis vous savez ce que fait la cigarette. Vous avez la cigarette du matin, la cigarette l'après-midi, la cigarette après le déjeuner, la cigarette quand vous êtes énervé. Elle est là, elle vous accompagne dans les bons moments et dans les mauvais, sans vous apporter du tout un quelconque bien. Et je me disais, pourrais-je résister si je m'énerve, je cherche la cigarette, ou si je suis dans un moment heureux, la cigarette. C'est absolument faux. Quand on décide d'arrêter, on décide d'arrêter. Tout ça, tout ce que l'addiction, tout ce que vous voulez, pour moi, ça ne sert à rien. Il y a une seule raison, une seule condition, la volonté. J'arrête. Un autre aspect qui est eu, qui n'est pas dit, c'est le côté financier. Vous savez combien coûte un paquet de Marlboro, il y en a qui en consomment deux. C'est peut-être, je ne sais pas, c'est pas 500 dinars multiplié par un mois, c'est la moitié du salaire. Et vous avez le père de famille qui fume, qui consomme de la cigarette et qui, lorsque la facture d'électricité monte un peu, écrit sur les enfants, il les prive de ceci. Voilà, c'était juste pour vous livrer mon expérience. J'ai arrêté en juillet 1982 parce que j'ai décidé d'arrêter. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour mes ressources financières. Je n'arrête pas de lire et de voir les images, comment sont les poumons, n'est-ce pas, comment sont. Il faut dire, j'arrête. Alors maintenant, si vous voulez vous donner mon vécu, 82, ça fait bientôt 40 ans. Je n'ai pas repris une seule cigarette et je n'en reprendrai pas. Et j'invite ceux ou celles qui fument, c'est une calamité, c'est un danger. C'est la seule cause de mort qu'on peut éviter.